Ouais. Ça rend 2 ans. Pour vrai. 2 ans? Moi, je savais pas. Moi, moi non plus. Quand même. Oui, mais économiquement, je veux dire, l'écologie, c'est pas viable. OK, mais si c'est perdu d'avance, qu'est-ce que je peux faire? Alors, de mon côté, j'encourage les élèves et les membres du personnel à prioriser les déplacements actifs, comme par exemple la marche ou le vélo. On a la chance d'avoir des super belles installations à proximité, des belles pistes cyclables, et ça diminuerait le nombre de véhicules qui seraient sur nos routes à proximité. Et c'est certain qu'à ce moment-là, on voudrait améliorer la zone pour barrer les vélos en augmentant le nombre de supports disponibles. Je propose qu'on installe une borne de recharge dans le stationnement pour les voitures hybrides et électriques. Il faut vraiment encourager le personnel du collège à avoir des moyens de transport plus vert, plus écologique. Vivre à Montréal, c'est vivre dans une réalité où les élèves et les enseignants ont un peu de contact avec la valeur réelle des aliments. Et donc, le rôle du jardin communautaire, au fond, c'est l'idée de prendre conscience du rôle que l'on peut avoir ici comme école, comme institution, au cœur de notre communauté. Mettre la main à la terre, se salir, comprendre la transformation du semis, choisir les légumes que l'on veut, les entretenir tout au long de l'année pour finalement les transformer et les vendre ici même au collège en eux. Je propose une formule pédagogique obligatoire dans laquelle les élèves apprennent à réduire leur empreinte écologique de manière concrète. Nos élèves de première à cinquième secondaire doivent comprendre que les actions posées aujourd'hui ont un impact sur le climat de demain. Cet enjeu environnemental est déjà abordé dans certains cours, mais à mon avis, ça devrait être une priorité dans tous les cours. Il faudrait revoir nos programmes d'enseignement, car certains datent déjà d'il y a 10 ans, et la réalité environnementale a beaucoup évolué. Donc, il faut s'assurer de bien former nos citoyens de demain. Je vous propose de réfléchir à nos besoins et à nos habitudes en impression de documents. Moi, qu'est-ce que je conseillerais, c'est de mettre 3 poubelles par étage. Compost, recyclage et poubelle. Je pense qu'on ne devrait pas arrêter là. Je pense à plus grand. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir des panneaux solaires sur le toit pour le recyclage d'énergie ou avoir des serres en permanence à l'année longue? Je vous propose que le collège, qui utilise déjà largement les réseaux sociaux, se serve de ces plateformes pour informer toute la communauté de son virage écologique. Ainsi, tous pourront constater les gestes concrets que nous posons au collège pour préserver l'environnement. Depuis que ma fille a commencé la maternelle, je me suis donné le défi de lui préparer des dîners et des collations zéro déchet. Je suis consciente qu'on ne peut pas exiger de tous les élèves qu'ils adoptent ce même mode de vie, mais je propose tout de même qu'on demande aux élèves et aux membres du personnel de rapporter à la maison tous les déchets qui ne sont pas recyclables et qui ne sont pas compostables, de façon à ce qu'on prenne conscience de notre empreinte et qu'on soit motivé à produire un peu moins de déchets. Et peut-être qu'on pourrait aussi se permettre d'éviter de vendre ces produits dans l'école. Je vous propose de prendre en compte les 5 R, en commençant par les 2 premiers, refuser et réduire. Avant d'acheter un produit ou un objet, est-ce qu'on pourrait se demander, ai-je vraiment besoin d'acheter ce produit ou est-ce que je peux refuser de l'acheter ou bien réduire ce que j'achète? Je propose qu'au collège, on ait une cafétéria verte, une cafétéria zéro déchet. Qu'on fasse du compostage et même qu'on puisse avoir notre propre composteur pour qu'on cesse à chaque jour de sortir des dizaines de sacs noirs à mettre dans un container. Je vous propose de compenser l'empreinte carbone générée par les activités et les transports scolaires en s'imposant une taxe qui servira à subventionner les entreprises écologiques qui travaillent ou œuvrent à séquestrer le dioxyde de carbone. Je vous propose de retirer le bœuf de la cafétéria et de le remplacer par une autre viande ou une protéine ayant une moins grande empreinte écologique. Je vous propose qu'on repense les activités scolaires, tout ce qui inclut les élèves, avec le souci de produire la plus petite empreinte écologique possible. Comme je dis à mes élèves, il faut sortir de notre zone de confort et faire quelque chose. On y croit. Ensemble, agissons. Cultivons l'avenir. Ensemble, nous pouvons le faire. Je pense qu'on est rendu là. Faut agir maintenant. C'est le temps de changer les choses.
Agissons dès maintenant. Pour notre avenir. Changement. J'ai confiance. Tous ensemble. Pour l'environnement. Pour demain. Jean-Marc. Ensemble, on est capable. J'y crois.